Hey, salut tout le monde, c'est Spectrol, comme ça va, on se retrouve bien pour un fail, parce que mon ordi avait plus de son, voilà, je vous le dis. J'espère qu'il y aura du son dans la musique, j'entends la musique, c'est bon? J'entends la musique. Normalement, vous devrez voir du son dans l'épisode. Je ne sais pas ce qui s'est passé, le PC, eh oh, tu vois, tes conneries, là, oh. Bon, on se retrouve pour un nouvel épisode, les amis. Dans l'épisode précédent, qu'est-ce qu'on s'est fait? Ah bien, on a eu pas mal de guac, mais on a eu Tataora qui a encore upgrade au niveau de la multime, parce qu'on l'a récupéré pas mal de fois. On a récupéré un yokai. C'était une boule dorée, j'ai cru que c'était un truc de ouf. On a eu une espèce de banane, la version rare de Jacasseur, qui est quand même de rang A. Donc, je trouve ça intéressant, mais on aurait pu peut-être avoir mieux. Ou un yokai. Après, ce yokai, on l'avait pas non plus. Je vais pas trop m'en plaindre. Par contre, la pièce mystère, à la fin de l'épisode, j'aurais pensé avoir un peu mieux. C'était une pièce mystère, tu vois. Mais on a eu rien du tout. Et on a fait pas mal de missions dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, je vous concocte un petit épisode de Cabbage Wiggle Wobble. On va faire eh bien le prochain boss qui va arriver après faire deux niveaux. On va affronter le boss caché. Je ne sais pas ce que c'est. Enfin, c'est pas caché, c'est un boss. On ne sait pas ce que c'est. Mais moi, je suis sûr que c'est le boss du chantier. Oh, Noko, encore une fois! L'épisode précédent, on a eu Noko, quoi! Oh, mais c'est magnifique! On va essayer de lui donner à bouffer. Par contre, ma souris, si ça commence à bugger, je t'aime plus, hein. Par contre, j'ai plus le double burger, Big Mac, tout ce que tu veux. Bah, c'est pas grave. Et franchement, dans l'épisode précédent, on avait Noko au tout début de l'épisode. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a encore Noko. Oh, on a peut-être un bon présage. On va peut-être avoir un truc bien à la fin de l'épisode. Après, est-ce qu'on va obtenir des pièces Bingo Kai? Normalement, oui. Parce que quand vous terminez un boss, eh bien, vous récupérez une pièce 5 étoiles. Pièce 5 étoiles, c'est pas souvent de la merde. Il y a moyen peut-être de se faire plaisir. Et j'ai eu un export. Bon, j'ai pas recruté le yokai parce qu'il est très dur à recruter d'après ce qu'on m'a dit. Puis personne en abonné n'a récupéré Noko pour le moment. Je sais que certains anglais ont déjà récupéré Noko totalement par hasard. Voilà, ils faisaient un petit niveau parce qu'ils avaient pas le yokai. Et ils ont même pas donné d'objet. Il l'a recruté comme ça. Je sais plus comment il s'appelle l'anglais. C'était sur le niveau 34 par contre. Enfin, en même temps, il apparaît sur tous les niveaux. Hein. C'est juste que c'est un petit peu aléatoire, hein, tout simplement. Par contre là, je vais peut-être perdre. Je voulais faire un... Non, j'ai pas encore accès pour augmenter l'expérience. Même si on a déjà obtenu l'expérience, mais moi je préfère en avoir encore un peu plus. Mais la souris bug pas mal là, puis je sais pas où j'étais actuellement. C'est assez bizarre. C'est assez perturbant à un moment du truc, j'ai pas compris ce qui se passait quoi. Là on est pas bien parce que je voulais... Voilà, je voulais un ultime ici. Voilà, nickel. Parfait. Active-le. Pourquoi tu t'arrêtes de jouer là? Je comprends pas. Pourquoi tu veux pas? Alors on va lancer les deux boules d'énergie d'éruption. Et je termine avec les deux boules d'éruption. J'aurai encore 3 âmes ultimes, tout ça. J'ai fait pas beaucoup en score. Et j'ai obtenu encore Suimochi. Je l'avais déjà. Mais... Ah non. Je crois que je l'avais plus parce que j'avais fait la fusion avec Darumastar. Tu sais, c'était Suimochi. Et puis un autre yokai que je sais plus. Daruba, je vois. Voilà. Et tu m'impressionnes, on devrait être amis. Et oui, je t'ai déjà. Non, je l'avais encore obtenu, donc encore j'augmente son âme ultime. Ah, donc faudra que je recapture un autre Darubajois pour refaire la fusion et augmenter l'âme ultime de Darumastar rang B. D'un cran quoi, d'un niveau. Oh, je l'ai pas. Je l'ai pas, parfait, je vais essayer de l'obtenir. Marque au moins 91 500 points, réalise au moins un combo de 9 ou moins et termine avec un âme ultime. 91 000 en points, ça va pas être facile, hein. Je vais me concentrer. Ouais, ça va être compliqué. Voilà, je craque mes doigts, tout ça, c'est parti. Là, ça va être un niveau pas vraiment facile. Et surtout que j'ai pas j'ai pas d'objet à donner en fait. Et je suis un petit peu guaqué. Bon, on va essayer de l'avoir avec un peu de chance, même si on donne pas d'objet. Oh, pas mal le QB là, très intéressant. Scratcher, non, Scratcher là. Ultime, pas encore, mais d'ici 2-3 combos de Scratcher, on va avoir la réduction de dégâts, donc ça je trouve ça bien. Mmh, ils font mal quand même, ils font très très mal, hein. Oh, calmez-vous là, calmez-vous, arrêtez vos conneries là, oh, tu vas te calmer là. Ah, c'est... Ça va être tendu, hein, les midlife. Et ils mettent des patates, mon... ma débution n'est pas encore là. Je peux faire un petit combo ici, ce qui est plutôt pas mal. J'aurais pu prendre... Ouais, je peux faire un petit émidémon, regarde ici. Un chimidémon juste là. Et j'ai eu le mode ébullition. Et ça c'est cool. Alors est-ce que je vais obtenir un petit peu plus d'XP en plus? J'ai pas l'impression. Je vais mettre un chimidémon. Au pire c'est pas grave si on n'arrive pas à déclencher la multime. On a un peu fait une série de 4 mais... Ouais, c'est compliqué.
Au pire, on prend notre temps, voilà, on prend notre temps. On a encore un peu de vie, voilà. J'augmente l'XP. On l'a pas obtenu, bon tant pis, écoutez, on n'a pas de chance, on n'a pas de chance, hein. On peut pas avoir de la chance tous les jours. Ok, 50 000 en score pour le moment, on va voir combien on fait de dégâts. Oh, on l'a presque tué, parfait. Et là, bah, tu es mort avec Kubi. Kubi qui a même pas éclaté. On a fait 83 000 en score, on a eu, je crois, 0 étoile, tellement qu'on était un petit peu minable. Ah, j'ai eu 2 étoiles. Ah, on n'est pas si minable que ça. On n'est pas si minable. Ok, alors, là on arrive au boss, on est d'accord, et on aimerait bien avoir les égouts. Ça, ce serait une bonne chose. Alors, voyons voir si on va y arriver. Ah, c'est bien lui. Comment il s'appelle, lui? Il s'appelle Omraptor. Omraptor a une version rare dans Yo-Kai Watch 1, dans les limbes éternelles. Il est noir et la croix, elle est un peu jaune. Et des fois, il a... Je crois que c'est ses couleurs, là, justement. C'est bleu, je crois. Bleu clair. Ok, il me recommande niveau 31. Ouais, d'accord. Marque au moins 93 000 points. Termine avec un âme ultime de roupillon. Ah, de roupillon, d'accord. Ah ouais, ouais. Obtenu un globule de taille 12 au moins. Souhaitez-moi bonne chance en laissant un petit pouce bleu pour le buzz. Je compte sur vous. Et en plus, on récupère une pièce 5 étoiles. Et j'espère débloquer le niveau, vous savez, avec les égouts. Avec un peu de chance. Mais il faut être très rapide. Il n'y a pas que sa tête qui m'impressionne, tu sais. Bah, clique dessus. Ses attaques se font aussi très mal. Ne te presse pas et fourre-lui les doigts dans les yeux. Ah, je sais pas trop. Ok, garde-toi. Il peut trembler le sol et te faire perdre la partie. Ok. Moi, je serais plus d'avis de taper la croix ici. C'est... En fait, vu qu'il a ses yeux, il va faire très très mal avec ses mains. Tu vois, il va nous mettre... Peut-être qu'il va nous attaquer en AOE, possible. On va voir, afficher les infos tactiques. Moi, je serais plus d'avis ouais, d'attaquer le centre. En plus, on peut lui faire du dégât, logiquement, dans Yo-Kai Watch 1. Omraptor, le boss du centre-ville, vit ses 3 points. Son œil gauche, son œil droit et son front. L'attaque œil gauche et droit, et cet œil se ferme. Omraptor voit ses attaques faiblir. Ah non, sinon, il te met des patates de ouf, ok. Frappe parfois volumant le sol et secoue l'écran de jeu. Ah ouais, d'accord. Et du coup, tes globules sont réorganisés, mais en mauvais. Et surtout, je crois qu'on perd la taille des globules. Dans ce cas, les globules sont mélangés et le plus gros rapetisse. Alors fais attention. Ok, ok. Ok, moi je serais plus d'avis. On va faire ça. On va cibler justement son crâne. Et on peut lui faire du dégât. Vous avez vu, hein, on peut lui faire du dégât. Je vais me concentrer. Ça va être plutôt... Ah oui, effectivement, il te met des patates de ouf, lui, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Mais je vais quand même essayer, même si on perd, c'est pas grave. J'aurais au moins tenté ce stratagème-là. Enfin, c'est pas vraiment un stratagème, c'est plutôt on le bourre, quoi, tu vois. On verra bien ce que ça donnera. Là, on n'est pas encore en mode émission, mais on est déjà à la moitié. Donc, par contre, la souris, je la vois plus, hein. Vous m'excuserez, il est pas mid-life, clairement pas. Je crois qu'on va perdre ce niveau. On va vraiment perdre ce niveau. Ma souris bug. À ce moment-là du jeu, c'est pas bien. Je suis pas très content de toi, souris. Je vais porter plainte. Mais qui dit de la merde. Ça va être compliqué, là. Ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué de ouf. Là, ça va être compliqué de ouf. Ça, c'est par contre très très bien. Là, j'ai augmenté mon ultime de pas mal de yokai. On va prendre QB, on va prendre Cerberber et puis Scratcher pour éviter de se prendre trop de dégâts. Là je pense qu'on va lui faire quand même pas mal de dégâts. Il est mid-life, hein, j'avais pas fait attention. Il est mid-life, on est déjà à peu près à 34 948 en score. On va quand même faire attention, on va essayer de lui faire pas mal de dégâts. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. On est à combien? On est à 2107 de dégâts pour le moment. Le mélange de QB qui est plutôt très intéressant au niveau des globules. Vous avez vu qu'il me fait vraiment moins de dégâts. Par contre, le truc c'est que... Oh, pas mal le petit QB là, c'était vachement bien ça. Je suis vachement concentré quand même. Je suis pas sûr que je vais réussir du premier coup ce boss là parce que normalement c'est pas comme ça qu'on le fait, hein, clairement. Je reprends... Eh, vous avez vu, je prends pas beaucoup de dégâts, hein. Ça c'est bien. Hein. Et en plus, j'avais pas fait attention mais... En fait, si tu le frappes trop, il perd ses trucs de... En fait, ses yeux, il les ferme. Donc, il va te faire moins de dégâts. Ah, bah, je pense que... C'est pas bien. C'est pas mal que ce que je viens de faire, là. Je trouve ça bien. Le truc, par contre, c'est qu'est-ce que je vais avoir assez de dégâts pour le défoncer. Je regarde pas trop l'écran du haut pour voir combien j'ai fait de dégâts. QB, s'il te plaît. QB, tue-le. Aïe 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 aï
Ah non, je vais mourir. Ah, je vais mourir. Oh non, le bénéfice du son. Mais ça, c'est ouf quand même. 37 HP, vous avez vu, 37 HP au niveau de ce yokai là. Allez. Ouais, nickel. Oh, j'ai beaucoup de sens. Aïe, 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 aïe. Bah, je pense qu'on n'a pas réussi pour les égouts, hein. On n'a pas été assez rapide. Il y a un moment, je sais pas, la souris elle a bugué, j'ai pas compris. C'est pas grave. Eh bien, je suis encore tout secoué. Maintenant, redonnons au quartier des boutiques. Ah, mais quel type de béni... Ah si, c'est le quartier des boutiques, on sera peut-être au truc de clinique du crépuscule, tu sais, avec le boss de Kawachin. Mais quel type de beignet devons-nous manger pour nous y rendre? C'est une sacrée décision. Oh, pièce 5 étoiles, 507 points d'XP. Super. Parfait, parfait. Alors, voyons voir... Oh, nice. Yes. Termine en 280 secondes max. Un chemin caché a été ouvert, donc l'égout D. Si je mettrai un avis plus tard, ne t'inquiète pas, Yukawatch, Wiggle, je t'aime bien. Voyons voir, voici... Voyons si les légendes disent vrai, d'accord. De quelle légende je veux parler? Eh bien, celle du yokai aux quatre yeux, bien entendu. Apparemment, il habiterait dans les parages. Est-ce qu'il parlerait pas de... Tu sais, dans le truc de Clinique du Crépuscule, il y avait un yokai, même je l'avais fait dans Yukawatch 2, il est rang A même. Je crois que c'est Espy même. Un truc comme ça. Bah, c'est peut-être... Ah non, attends, il a plus que trois yeux, si. Non, il a trois yeux, il en a un là, un là, un là. Ouais, je pense qu'il parle de Espy, mais je suis pas sûr. Donc la goudée, on le fera progressivement. On nous conseille quel niveau pour voir que j'ai peur? On me conseille niveau 34. 34, ça paraît beaucoup quand même. Hein. Attends, on va regarder c'était quel niveau ça. Ou alors c'est les mêmes, hein. Attends. Ah non, c'est plutôt les niveaux cachés où ils te demandent des trucs de ouf. Genre là, il faut être limite niveau 50. Vous l'avez sûrement dit dans les commentaires, hein, et je le ferai, vous inquiétez pas. Donc là, je vais au niveau suivant ou pas? Ouais, je pense que je vais aller au niveau suivant, j'ai pas mal de pièces. Tu me conseilles quoi? Alors, attends, le prochain boss, c'est où? Il est où, le boss? Ouais, mais il est si loin que ça! Oh! Oh, le boss 110, t'es ouf! Mais c'est ouf! Il y a pas mal de chemins cachés ou pas? Non, il y en a un. Un, deux... Il y en a que deux, très bien. Bah écoutez, on va voir. Oh là, 500 pièces, ça commence à être chaud. Moshimacho, il est niveau 8 ou pas? Je sais plus. Ah, t'es quel niveau? Bon, tu sais quoi, c'est pas grave. Hein. Je vais pas demander de l'aide à mes amis le temps que vous me répondez. Donc je vais dépenser 500 pièces, c'est pas très très grave. 500 pièces, c'est pas ouf. Alors, j'ai 22 411 pièces. Pour le moment, on est très très bien au niveau des pièces, je suis très content. La porte a été ouverte, très très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu comme stage? Eh bien, on l'a déjà, lui. Ouais, on l'a déjà, ok. Alors, on va faire une pièce Muingokai, pièce en 5 étoiles, en espérant avoir de la chance. Et l'émission, est-ce qu'on a obtenu des missions? Défi de Yokai vaillant, mystérieux, costaud, mignon. Donc ça, c'est tout le boss de Ombre Raptor. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Ah, ça a bugué, d'accord. Bah on a aucune mission, on va aller au Bingo Kai, on verra bien ce qu'on gagnera. Insère une pièce, allez s'il te plaît, un truc bien. Sinon je ferme les yeux, hein, si vous voulez, hein. Je ferme les yeux. Allez, je vais fermer les yeux, ça. On est à 14 minutes, je ferme les yeux. Allez, c'est parti. J'ouvre les yeux. Pas mal, pas mal. C'est pas si nul que ça, ça augmente la multim pour la compétition. Je suis pas mécontent, 2,50, je trouve ça pas mal. Ça va, un petit rang A que j'ai déjà, mais ça c'est cool pour la compète. Parfait, parfait. 22 411, on peut se tenter encore quelques petits stages. Et après je vais commencer à farmer pour les égouts, pour vous proposer des nouveaux épisodes de Yukawatch Wiggle Wobble. Mine de rien, stage recommandé, 31... Ça passe, j'ai l'impression qu'on a régressé un peu, 34, 31, ça va être facile alors. Après le boss, ouais, je pense que c'est l'espèce de docteur. Hein. Oh, Jacasseur, je l'ai pas lui. Je vais essayer de l'obtenir. Je vais te redonner un bonbon qui ressemble à une chips à la crevette, ou écrevisse, comme vous voulez. J'aimerais bien l'avoir, celui-là.
Donc ça veut dire que même s'il y a des yokai qu'on a déjà vu dans le stage, il se peut qu'il y a des yokai qu'on a jamais vu quand même dans le stage en question, tu vois. Tu sais, t'as peut-être 3 yokai, des fois t'en as un et des fois t'en as deux. Et des fois il y en a qui apparaissent un petit peu aléatoirement sur différents niveaux. Ou alors il y en a, c'est vraiment dans des stages bien précis, genre Baku argenté, etc. On m'a dit que Tataora par contre, je crois que je peux la farmer. Mais elle est assez rare dans un niveau et c'est pas encore là. On m'a dit c'est dans une tour, je sais pas quoi. Est-ce que ça serait la tour sans Fantastico? J'en sais rien. Hein. On verra bien quand on y arrivera. Écoutez, on va pas être spoilé davantage. Ah, je ne peux pas faire le combo ici. Oh là 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 là, doucement, doucement. Là, t'as vu les combos que tu me mets? T'as vu les combats? T'as vu les dégâts que tu me fais là? Oh, tu vas te calmer là. Le mode évolution, bien sûr. Oh là là, mais je vais mourir là. Attends, on va prendre le coin XP là. On va prendre Scratcher ici. Chubby, ça serait... Chubby, j'aimerais bien lui mettre un secret de là, mais si on... après on a des yokai encore mieux que Chubby, bah ça serait un petit peu du gâchis, tu vois. 1952 dégâts quand même. Pas mal du tout. Il est pas mort. J'ai encore obtenu l'âme de salle de bain. Ouais, j'ai pas trop envie de l'avoir lui, mais c'est pas grave. S'il vient, je le prends, hein, mais... les dégâts là. Les dégâts, ça m'inspire pas très confiance là. 492, ouf. Heureusement qu'il a pas attaqué. Je l'ai pas obtenu. Je le farmerai hors vidéo, vous inquiétez pas. 382 points d'XP, ça marche, et du coup, pas mal d'XP, sympa. Niveau 35 déjà, QB, hein. Vous avez eu 500 de puissance, hein. En attaque, elle rigole pas, hein. J'arrive à 3 en coup de langue. Alors, c'est quand même pas mal. Je disais, ouais, ça sert à rien, on voit toujours les mêmes yokai, mais y a, en fait, il y a une mission, c'est dans les égouts, c'est détruire les yokai uniquement avec des rangs E. Et vu que c'est un rang E, il a augmenté 3 fois son âme ultime. C'est assez judicieux après de faire les quêtes, parce que si tu les XP trop, ce que ça fait c'est qu'ils évoluent certains yokai, et deviennent, ils viennent plus de rang E, et après faut les refarmer, et ainsi de suite quoi. Jalouserie, 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 est-ce que je l'ai? Oui je l'ai déjà, d'accord. J'ai l'impression que j'ai tous les yokai qui existent dans le monde, hein. c'est n'importe quoi. En plus il y a 3 jalouseries, ok, alors déjà on peut faire un petit démon ici, la petite vache. Alors c'est pas une vache mais elle y ressemble quand même. Ok. Oh pas mal les dégâts là. En plus c'est Timmy Démon. Je peux... D'ailleurs je fais combien en Timmy Démon au niveau de mon âme ultime? J'ai pas vraiment fait attention. Là je regarde. Timmy Démon j'espère qu'on pourra le farmer, ça serait trop cool. Ah quoi que non ça serait pas cool parce que si... parce que oui parce que Timmy Démon peut fusionner en fait. Tu vois. Mais je sais pas si je vais avoir l'objet, je sais pas où ça se trame, où il faut payer pour avoir cet objet là de fusion, j'en ai aucune idée. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'ai encore eu l'âme de jalouserie, bah écoutez, voilà. En plus c'est un rang E je crois, ou un rang D. Peut-être des quêtes de rang D après dans les égouts, hein, possible. Hein. La souris qui bug. La souris qui bug, c'est pas bien, hein. C'est pas bien du tout, hein. J'ai fait quand même fait 1266 de dégâts, ce qui est pas assez, certes, parce qu'ils sont tous les deux mid-life, mais avec Chubby et puis le chien, je pense qu'il y a peut-être moyen que je termine le niveau. Mais je ferai pas beaucoup en score, par contre, 54 000, c'est vraiment pas ouf. Et non, j'ai pas terminé le niveau. Elle a encore de la ressource, hein, la petite bestiole, hein. Vache, ça rigole pas, hein. Là, on commence à avoir des niveaux qui commencent à être chauds, hein. 89 000 en score, 90 000 au final, 350 points d'XP je pense à peu près, voyons voir, est-ce que 350 points d'XP ou pas, 376, un peu mieux, parfait, déjà niveau 22, 380 d'attaque le chien, de, par contre beaucoup d'HP de Scratcher mais pas beaucoup d'attaque, je serais d'avis si je commence à avoir un peu mieux, d'enlever Scratcher pour mettre un autre yokai un peu plus puissant pour faire plus de dégâts, ou quitte à prendre une healeuse qui est Tataora. Je sais pas trop, j'hésite. Faut voir la répartition des tribus de ce qu'on peut faire. Mais c'est vrai que ça commence à être chaud. Mais je pense que c'est bien pour les boss, Scratcher. C'est pas mal. Après pour les stages, on a que un rang B. Si après il y a des rangs A ou des rangs S qui limitent les dégâts, ouais là c'est pas mal.
Mais là, pour le moment, on a toujours les mêmes yokai. Après, peut-être dans les égouts, il y a peut-être des trucs fort sympathiques, hein, j'en sais rien. D'ailleurs, je pense qu'on fera les égouts dans le prochain épisode. Hein. Ouais, comme ça, ça sera fait. Ivantus et Kappa Kapp. Ou alors, je serai plus à farmer et j'essaierai d'avoir un peu plus de vie pour tourner dans les égouts après. Tourner dans les égouts, ça fait un peu bizarre de dire ça comme ça. J'aime bien parce que Pokémon Ranger, c'est dans les égouts à un moment du jeu, ça m'a fait assez rire. Vous allez me dire pourquoi je parle de Pokémon Ranger? Parce que j'aime bien ce jeu, tout simplement. Et vu que je parlais d'égouts, ben c'était l'occasion d'en parler un petit peu. Je sais pas si vous aimez Pokémon Ranger, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Parce que peut-être un jour, je vous ferai peut-être une série de Pokémon Ranger, parce qu'il y a 3 opus sur Pokémon Ranger. Donc il y a Pokémon Ranger 1, après il y a Shadow of an Almia, donc c'est Nuit sur Almia en nom français. Et l'autre, c'est quoi? C'est les Silages de la Lumière, un truc comme ça. Est-ce que c'est les Silages de la Lumière ou un autre truc? Je sais que c'est des glyphes avec Enten, Raikou, Suicune, sans trop spoiler. Mais c'est pas mal. J'ai beaucoup aimé, mais j'ai jamais terminé le jeu justement. Attends, ça a bugué aussi, ça a bugué. Ah, je suis désolé, ça a bugué. Calmez-vous là. Hein, je pense que je vais mourir là. Je suis pas bien, je suis pas bien. QB, j'ai pas pu faire le combo de QB. Bah écoutez, on a perdu le niveau, c'est pas grave. Tant pis. En même temps, j'ai très mal joué. J'ai quand même gagné un peu d'XP. Est-ce que je monte d'un niveau ou pas? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Bon, tant pis, c'est pas grave. On va retenter le niveau. Allez, 22 minutes déjà. Ah oui, quand même. Tu sais quoi? On va pas retenter le niveau. On va voir s'il y a peut-être des missions à faire. L'émission, est-ce que j'ai maintenant 400 en ultime? Ça serait bien de terminer avec une pièce Bingo Kai. Ah, ça serait cool. Voyons voir si j'ai obtenu quelques petites missions sympathiques. Eh ben non, c'est juste une icône. Bon bah tant pis hein. Par contre je farmerai tes scats. Ouais, ça me paraît plutôt cool. Tu sais quoi, on va peut-être se terminer avec un petit niveau de Ronyan. Pourquoi pas. Il faut juste que je reprends ma team et puis on se fait ça. Ok, on arrive à 1898 d'attaque et 1720 d'HP. Bah ouais, c'est pas grave. On va tenter, on verra bien ce que ça donnera, bien sûr que je sauvegarde, par contre il faut que je m'en rappelle, donc j'ai pris un peu de temps, j'ai rajouté dans le document texte pour me rappeler des UK que j'utiliserai pour le prochain épisode, à moins que ça changera, impossible. Hein, hein. Alors le classement, je suis classé 379251 au niveau des amis, ils sont quand même chauds. Hein. Il reste un jour, 6h52, je vais le faire moi au dernier moment avec tous les objets, avec ma team que j'aurais bien XP, mais déjà je trouve ma team plutôt pas mal pour la récompense d'attaque de score de yokai. Allez, souhaitez-moi bonne chance, je compte sur vous, on va essayer de faire du beau jeu, essayer de au moins faire minimum 200 000, parce que si on fait pas ça en vidéo, bah, c'est un petit peu nul. Voilà. Alors déjà ça bug, je suis pas très content. Ah là là, ça bug. Ah, c'est aussi le stress, hein. C'est aussi le stress de dire, ah, je vais pas faire des bons combos. En plus, les fesses et puis Coach Anthony, ils se ressemblent, c'est pas bien, quoi. C'est pas bien du tout. Ah, c'est zéro. Ah, c'est zéro. Oh là là, je suis à peine à 25 000. Je me suis pris tellement de dégâts. Oh là, mon Dieu. Je me suis fait défoncer. Le mode ébullition, il a pas envie de venir aussi, hein. Moi, je vous le rappelle, hein. Le QB. Ah, mais le truc il bug aussi là. Le truc il bug. Ah, mais c'est tellement nul ce que je viens de faire. Oh là là, mon Dieu. Mais c'est pas possible d'être aussi nul, Spectre. Oh là 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 là. J'ai pas le mode ébullition. J'ai pas toutes mes amis ultimes. J'ai pas les amis ultimes que je veux surtout. Ah, c'est. Ah, c'est pas gagné, hein. Ah, c'est nul. C'est nul. C'est zéro. C'est zéro. Zéro, on recommence. Ah, je suis désolé, j'ai fait 73 000 points. Ah, j'ai honte. Ah, j'ai vraiment honte, là. Ah, en plus, il me donne quand même des pièces et des yens. Enfin, des pièces et de l'XP, quoi, mais... Pff, ah non, ça, c'était vraiment nul. Ne jamais refaire ce genre de choses. Parce que là, c'était vraiment pourri. Et la souris qui a bugué au même moment. Je sais pas si c'est l'émulateur qui bug, en fait. C'est la souris. Bah non, sinon il y aurait des drops en fait.
Bah, je sais pas, c'est assez bizarre. Mais il y a aussi le stress, c'est vrai. Là, on a un peu plus de combos, je trouve. Les Chimie démons, tu vois, par contre, on se met bien, tu vois. Les petites vaches, là, on a un petit combo de Antonic, pas piquer des hannetons, on trouve ça pas mal. Les fesses, ils peuvent faire un petit peu de dégâts, tu vois, 256. Là, on s'est pris un peu moins de dégâts. Au niveau des âmes ultimes, bon, c'est pas encore ça. Hein. En plus, on a Robonian. D'ailleurs, Robonian, je sais pas si on pourrait l'obtenir dans Wiggle Wobble, j'espère. Peut-être par Bingo Kai possible. Ou alors par niveau, j'en sais rien. Hein. Coach Antonic, ça serait bien que tu augmentes ton âme ultime. Hein, là. On a 61 000 pour le moment. Putain, c'est nul. Ça. Je joue très mal là. Hein. Je suis vraiment désolé. Hein. Le stress se fait ressentir, jeune. Alors là, j'augmente mon score. Je serais d'avis d'attaquer en fait directement avec les âmes ultimes. Parce que là, c'est pas bien du tout. Hein. C'est pas bien du tout ce que j'ai fait. Chimie démon. Ah, Chimie démon, j'ai pas pu attaquer. Bon, j'ai fait 167 000. C'est aussi encore plus merdique. J'essaierai de mon côté, hors vidéo, tout ça. Et on verra si j'ai gagné des choses intéressantes lors de cette compétition. Cette team est cool. Sauf que j'ai mal joué. La souris bug. J'en suis vraiment désolé. Je vous fais de gros bisous. Ah oui, c'était un petit peu une phrase de perdant à la fin. Me tout pisse, pas grave. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là sur cet épisode en espérant qu'il vous a plu. Si vous a plu, n'oubliez pas de bombarder de likes. Si vous voulez plus d'épisodes de Cabo Chou Gold Ball, n'hésitez pas à commenter et partager sur les réseaux sociaux. Et on se retrouvera pour de prochaines vidéos, prochain live. Salut tout le monde.